tous, bienvenue dans notre toute nouvelle émission J'ai testé pour vous. Donc une émission où moi-même ou Eléa, bonjour Eléa, nous testons un sport, un hobby, une activité qui se passe dans Petit-Caux ou sa région. Alors c'est parti, allons-y, nous allons commencer aujourd'hui. Rebonjour, alors pour cette toute première émission, je vais vous donner quelques indices. Alors voici un premier indice par là-haut. Deuxième petit indice par là-bas. Vous ne trouvez pas? Bon, je vous en donne un autre par là. Bon, allez, vous donner votre langue au chat? Alors, regardez, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Le complexe Ludibule. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Ludibule? Il y a la piscine qui vient d'ouvrir. Non, aujourd'hui, ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas la piscine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La patinoire? Non, aujourd'hui, je ne me sens pas trop de patiner. Ça ne sera pas ça non plus. Bon, qu'est-ce qui reste? Vous allez me dire la Zumba, pas de Zumba aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'on va tester, ça va être quelque chose qui va vous faire transpirer. Enfin, transpirer avec un grand T, mais vous, pas trop, surtout moi. Ça s'appelle le street fitness. Alors street, rue, fitness, fitness, voilà, la gym de rue. Donc on va y aller. Bon là, comme vous voyez comme ça, je vais pas faire grand chose, donc je vais me changer. Un petit instant, attendez-moi. Ah, ça va mieux. Là, je me sens mieux. Donc, je suis prête pour aller courir, pour aller faire du sport, des pompes et tout ça. Enfin, bon. Allez, c'est parti pour le street fitness. Vous venez avec moi? Allez, c'est parti! On va démarrer. Donc, on part au parc de jeux. Donc, c'est un petit kilomètre. L'échauffement, on part en courant, un petit jogging. D'accord? Chacun à son rythme. On est tous les trois pour vous encadrer, il y en aura un devant, un au milieu et un au bout du groupe. Ok? Motivé? Je vous entends pas, motivé? Oui! Allez, c'est parti! Musique? Déjà fatiguée, c'est super dur. Ça va, Christine? Il y a Christine qui va bien. On y va! À partir des bancs, vous allez former des groupes de 3 ou 4. Vous avez 6. Ça y est, je suis trempée. Voilà, voilà ce qu'on gagne quand on fait du sport, voilà. Ça va, ça se passe bien? Non? Ça va, ça vient? Ouais? On est bien là, non? Hein? Je crois qu'il va se dépêcher en fait. Je suis
on en veut, on en veut. Alors, le saviez-vous ? Manam, manam. Manam, manam. Manam, manam. Le street fitness a été inventé il y a plus de 20 ans dans les rues de New York. À l'époque, ça s'appelait le street workout. C'est un gymnase qui s'ennuyait un petit peu dans les salles de sport, qui s'est dit, allez, on va utiliser le mobilier urbain, les bancs, les poteaux. Je suis déjà un peu essoufflée, pour faire de l'exercice physique, voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu très à la mode dans les pays de l'Est. Et maintenant, ça arrive en France et ici à Petit-Caux aussi. Allez, on continue. J'ai changé de groupe. Groupe fort sympathique apparemment. Ça va tout le monde? Ouais, on est bien là, on est bien. Non. Oh déjà. En tout cas, on a le sourire, c'est essentiel. Hein. Et pourquoi vous faites ça en fait? Un matin comme ça? Ok. Allez, on inspire, on souffle, on appuie, on pousse. Allez, les dernières répétitions. Allez, to be free. Allez, 4, 3, 2, 1, dernier atelier. Alors c'est pas évident, parce qu'on s'arrête jamais, on court, on... c'est ça qui est important, c'est l'intensité dans le street fitness, voilà, c'est ce que j'ai retenu en tout cas. Bon, ceci n'était qu'un échauffement, on passe à la séquence suivante d'exercice avec une course pour développer sa VMA pour les connaisseurs, c'est-à-dire la vitesse maximale d'aérobie. La VMA est très utile dans la course à pied et permet d'améliorer fortement sa capacité de récupération entre deux exercices. Pour cela, Fleur, Julien et Jérémy nous ont concocté une course ludique. Ils ont placé plusieurs quilles en ligne avec une balle de tennis à déplacer de quille en quille. Très efficace, cette pratique développe les capacités physiques et la cohésion d'équipe. Regardez plutôt. Alors, le saviez-vous ? Manam, manam. Manam, manam. Manam, manam. Manam. 30 minutes de street fitness, ça équivaut à 250 calories perdues, c'est-à-dire, les filles, un éclair au chocolat, voilà. Donc ça vaut le coup, quand même. Oh Mylène, pourquoi est-ce que tu fais ça un jeudi matin alors que tu pourrais peut-être être devant la télé tranquille? Toujours le jeudi matin, c'est mon petit créneau. D'accord. Et puis bah, là, c'est pour changer, être un peu dehors et tout ça. D'accord, ok. Donc ça te plaît? Oui. Ça t'apporte quoi le street fitness? Enfin, le fitness bah, c'est la première, donc c'est voilà, changer le cadre en fait, plutôt que la salle, voilà, de venir à l'extérieur. D'accord, et ça va, ça te plaît? Oui. T'es contente? Bon. Ouais. Super. Bon, bah, je te remercie Mylène, puis bon courage alors. Hein. Là, ça va pas du tout. Alors, est-ce que vous le savez? Manam, manam. Manam, manam. Manam, manam. Le street fitness se pratique également dans les prisons, voilà. Parce que
Souvent, les prisonniers s'ennuient un peu, n'ont rien à faire, et du coup, ils utilisent leur matériel interne pour faire des pompes, pour faire du sport. Voilà, ça peut être très utile et c'est gratuit surtout. Fleur Batte est professeure de fitness à l'Udibul depuis une dizaine d'années. C'est elle qui a eu l'envie de proposer à ses élèves habituels de faire du sport autrement et de profiter du beau temps pour faire de l'exercice en extérieur, toujours dans la bonne humeur. Interview avec une petite boule d'énergie. Donc Fleur, salut. Qui es-tu, Fleur? Je suis professeure de remise en forme à l'Udibul depuis pas mal d'années maintenant. Et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en fait? Alors aujourd'hui, on a proposé un street training qui est un cours de renforcement musculaire et de cardio en pleine nature. Donc on a profité du parc de Saint-Martin qui est juste à peine un kilomètre du complexe Udibul. Donc voilà, un petit footing pour arriver là, c'est juste à côté. Donc, voilà, on a décidé de faire le street fitness pour pouvoir profiter justement des cours en extérieur car tout le long de l'année, on fait nos cours en salle. Donc là, en printemps, c'était le moment idéal quand on a du soleil pour pouvoir le faire à l'extérieur, tout simplement. Ok, je te remercie, je te laisse. Ouais, on va continuer. Sur tes élèves. Oui, c'est parti. Et allez, on continue l'entraînement avec des exercices assez originaux. Comme je vous l'ai expliqué, on utilise le matériel urbain, en l'occurrence les jeux pour enfants. Ça se passe bien? Bah écoute, dans la bonne ambiance, ouais. Franchement, c'est sympa. Ça va, c'est pas trop dur? Non, ça va. Avec l'ambiance, ça passe bien. Bon, bah super. Ouais, et là, tu fais quoi, là, exactement? Là, on travaille les bras. Café, hein? On travaille quoi, exactement? Là, le dos, Julien. Trapèze, le pouvoir. Voilà. Je vais peut-être essayer. Voilà. C'est super. Et on va interviewer le prof. Mais il le sait pas. On y va? Sur la corde. Julien ? Ça va ? Ça va, ouais. Ça se passe bien ? Ouais, ça se passe super bien. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, ici ? Moi, je fais surtout du renfort sur TRX et avec une corde où on va travailler vraiment tout ce qui est renfort musculaire. D'accord. Et comment vous préparez les exercices ? Moi, je regarde plus sur Internet pour m'inspirer, mais je fais aussi des exercices que moi, je travaille avec le hockey sur glace dans ma prépa physique. Parce que toi, tu fais quoi à l'Udibul exactement ? Moi, je suis stagiaire parce qu'avec Jérémy, on prépare un diplôme, c'est un BPJEPS pour être animateur sportif et voilà, on est tombé dans cette structure. D'accord, ok. Bon, je te remercie. Mais y'a pas de soucis. Vous allez rester du même côté, d'accord ? Vous restez face à face, on va travailler sur deux rangées. Ça va? Oui, pas ça va. Pas trop fatigué? Non, ça va. C'est bien le street fitness? Oui. Et c'est quoi qui est différent d'une salle de sport classique ou Là, il y a plus d'air, on est mieux. D'accord. Merci. Allez, on est bien parti. Voilà qui montre que le street fitness se pratique à tous âges avec notre prof vivante, Arnaud. Bonjour. Bonjour. Votre prénom, c'est quoi? Arnaud. Arnaud. Donc Arnaud, pourquoi vous faites du street fitness? Eh bien, vous savez que quand on veut essayer de bien vieillir... Il faut faire des pompes, hein? Ah oui, quand on essaie de bien vieillir, il faut s'entretenir. D'accord. Voilà. Bon, voilà, et ça vous plaît? Ça va? Ça se passe bien? Absolument. Je peux même dire que le bonheur est là. D'accord, ok. Je vous remercie. J'ai l'impression qu'on va tirer. Hein. Allez! 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 Comme quoi, on choisit pas toujours les équipes qui gagnent. Ça fait mal. Bon, il ne manque plus que Jérémy, le troisième de la bande des joyeux coachs. Donc Jérémy, bonjour.
Donc toi, tu es... Qu'est-ce que tu fais ici à Ludibule ? Bah moi, je suis en stage pour... je prépare un BPJEPS APT. Ok. Activité pour tous. Ok. Où, je suis là dans le cadre d'un stage, me performer dans mes connaissances. Ok. Puis voilà. D'accord. Et c'est fait pour qui, le street fitness ? Le street fitness, c'est fait pour vraiment tout le monde. C'est adapté à tout le monde, aux plus âgés comme aux plus jeunes. Pour les sportifs, pour les moins sportifs, c'est vraiment à tout le monde. Enfin, comment vous avez créé vos exercices ? Vous avez utilisé le matériel urbain ? Comment ça s'est passé ? Bah, c'est devenu comme ça. On a préparé avant. On est venu ici quelques jours avant. C'est dans nos têtes l'exercice, du coup, on connaît un petit peu quoi, ce qu'il faut faire d'avance. Et... D'accord, mais vous utilisez quoi ? J'ai vu qu'il y avait les bancs tout à l'heure. Oui, il y avait les bancs. Après, on a utilisé des toboggans pour attacher des RX, des cordes. Enfin, on peut utiliser tout, quoi. Et quel type d'exercice vous avez fait faire ? Par exemple, sur les bancs, on a fait des pompes sur les bancs, des fentes, des burpees. On aurait pu en faire d'autres. D'accord. Ok, donc il faut quand même être en bonne condition physique. Un minimum, mais vraiment le minimum. Hein. C'est pas besoin d'être sportif de haut niveau pour réussir à faire un test. Ok, bah je te laisse tranquille, je te remercie. Merci. À plus tard. Bon, on a bien transpiré, la séance se termine. Nous, on rentre à Ludibule, au pas de course, bien sûr, et toujours en musique. Alors aujourd'hui, j'ai testé pour vous le street fitness dans une très très bonne ambiance. Je vous le conseille. Si vous voulez en faire également, vous pouvez vous inscrire à Ludibule. Ils proposent des cours gratuits de street fitness pendant l'été. Il y a des cours de fitness aussi qui sont donnés toute la semaine. Donc voilà, allez-y, il y a un cours gratuit qui est possible. Donc les coordonnées sont ici en bas. Si vous voulez en savoir plus, vous les appelez ou vous rendez directement au cours. Voilà, et vous serez accueillis dans la joie et la bonne humeur. Voilà, on se quitte ici et je vous dis à très bientôt dans un prochain J'ai testé pour vous. Fais un petit coucou s'il te plaît. Tu sais que c'est pas moi qui fais l'émission. Hein. Non mais je veux quand même avoir les dessous. Qu'est-ce que ça apporte ? Alors c'est... Voilà, on va couper. Sœur adore la caméra comme vous le voyez. Voilà. Pendant qu'il y en a qui bossent. Écoute, moi aussi je fais mes abdos. Voilà ce qu'on fait. Avec les sœurs soit Ludibule. Voilà, donc on a un super parc à côté de chez nous. Je suis là. À Ludibule, il y a des cours qui sont prodigués. J'ai pas compris. Je vais dire prodigués. Personne dit ça. Ma chanson disait marche tout droit. Cette année-là. Ouais, en fait, elle vous ment, elle est vraiment partie changer. Hein. Vous gobez vraiment n'importe quoi. Aurélie. Et c'est pour vous le street fitness. Et je valide. Wouh.